Ah putain, mais c'est la cabane dont Chris m'avait parlé. Pour une fois que tu te souviens de quelque chose. Je mate les branches. Bonjour madame. Hé, hey, passez où? Ah, bonjour madame. Ah putain, mais c'est qui ce con? Il avait pas tué tout le monde sur le chemin. Ouais, bonjour, je suis un randonneur. Ah d'accord, ils sont bizarres ces randonneurs ici. Oh là là, il a pas de gars. Ah putain, il a failli me choper. Salut. Allez Bernard, on essaie de la choper. Tu vas plus vite que moi. Vas-y, essaie de l'attraper. Aïe aïe aïe. Oh là là. Ah putain, une épine sur mon pied. Quelle idée de marcher pieds nus dans un cimetière. Qu'est-ce que je peux prendre? Tiens, je vais prendre des munitions de Magnum au cas où, parce que mon but c'est de piquer le flingue de Barry la prochaine fois que je le croise. Parce qu'il a quand même un putain de 44 quoi. Moi j'ai juste un 365 hein, Magnum. Hein. Barry, t'es en dessous? Je te le dirai pas. Bon, on va voir. Attends, comment on descend? Il faut prendre l'échelle. D'accord. Oui, ok. T'es conne. On va voir. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Barré. Alors comme ça, t'étais pas ici, hein? Tu me dis. Incroyable, t'as réussi à descendre. Pourquoi tu parles comme si t'étais à la radio? T'es con ou quoi? Ah putain. T'as vu, je t'ai pris ton arme, hein? Alors oh, parle. Putain. La boule. Calme-toi, calme-toi. Oh, hey, c'est bon. Oh, arrête de mentir. Non, ça c'est toi. D'où tu... Je ne mens pas. Et si tu mens, Gilles? Je suis ta fille que tu as eue avec Barry. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte, l'autre folle? J'aime pas les statues de vierges. Je vais vous tentaculer. Putain, c'est quoi cette folle? Oh putain. Comment ça, c'est pas le moment de parler? Vous voulez donner l'arme à Barry ou pas? Non, pour que je lui donnerai. Il a essayé de me flinguer avec. Et puis j'aime bien mon arme, hein. Moi, je l'aime bien, son arme. Il est sympa, hein. Non, désolé, Barry, je te le file pas. S'il te plaît, je peux pas le faire. Moi, je vais le faire. Tiens, salope. T'auras pas le flingue. C'est moi qui l'aurai. Tiens, il a laissé tomber une photo. J'apprendrai aussi. Mais d'abord, faut que je règle son compte à elle. C'est parti pour une belle conversation. Ouais, allez, vas-y. Donc, je vais prendre le pistolet. Vous allez prendre le 44 Magnum de Barry, bravo. Tu m'auras pas, tu crois que ta petite merde, elle va me niquer? Ouais, moi, j'y crois, c'est, sincèrement. Tu vas voir, mon petit pote, ça tire des balles 44 Magnum, ce revolver extrêmement puissant et l'arme préférée de Barry. Depuis le temps que je voulais l'avoir. J'ai le lance-grenade de Forest. Voilà. Le lance-grenade de Forest et le pistal, le Magnum de Barry. Aïe, merde, mon soin servait à rien. Aïe, Red Eye, mais... Oh là là. Non, c'est Sofiane, non. La photo de Barry. Alors, tiens, c'est une photo de Barry. Est-ce que je vais lire? Cette photo est tombée de la chemise de Barry avant qu'il s'écroule dans la fosse. Il y a quelque chose écrit dans le dos. Qu'est-ce qu'il a écrit, ce con? Papa. On t'aime très fort. Ok, non, c'était ses filles qui écrivaient. Mais merci Barry quand même. Moira et Polly. Moira qu'on reverra dans Révélation 2. Tiens, crève, saloperie. Elle va pas crever. Oh, salut Chris, ça fait longtemps. T'inquiète, je vais t'aider. Oh putain, s'il te plaît. Tiens, Barry est jamais là pour quand on a besoin de son aide. Alors, Il est tombé en fait, Barry. Hein, il... Quoi? Oh putain, merde! Et Jill, elle est où? Je suis cassé, je suis dans le labo, déjà. Quoi, elle est dans... ok. Élimine Lisa, s'il te plaît. Non, c'est moi qui vais t'éliminer. Oh, connard. Viens, on fait une super équipe, Chris. On va tous les éliminer. Attends. Deviens mon petit ami, Chris. Sinon, je te pète la gueule. Qu'est-ce que tu fais, là, avec tes rochers, là? T'inquiète. Attention, hein, fais gaffe. Tu sais même pas pousser de rochers. Tu crois ça? Regarde. Je suis un peu épuisé.
J'ai pas envie de faire de saut, là. Et hop là. Alors, ah, j'ai menti. Comment tu fais si je boulange le chemin? Ah, t'es feinté. Je vais te niquer. C'est mou. Ça, c'est ce que tu crois. Ah, yeah. Merde, j'ai raté. Hé, hey, putain, c'est le dernier rocher. Allez. Et tu l'auras pas. Eh bah si. Hein? Qu'est-ce que tu dis que ça? Mais c'est le foie de maman! 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 Il y a une photo dans le cercueil, ouais, une photo de famille. Ah, où est-ce qu'elle? Il servait c'est pas. C'est une lettre. Ma petite Lisa, jour après jour, je sens que mon esprit me quitte. Les piqûres des hommes me font voir des choses cheloues. Voilà, j'espère que t'arriveras à réfléchir plus que maman. Et tu n'oublieras pas les moments qu'on a passés ensemble, moi, toi, ton père et Barry, au bout d'un étang. Oh Lisa, j'aimerais tellement pouvoir toucher ton foie, au moins une dernière fois. Nous ne pouvons pas rester ici, nous pouvons nous échapper. Écoute-moi Lisa, notre seule chance de nous enfuir, c'est quand nous serons ensemble dans le laboratoire. Voilà, l'homme en blanc, quand il nous aura tourné le dos, on le poignardera et l'on forcera à s'agenouiller parce qu'on est noir. Sois forte Lisa. Jessica Trevor, qui vient de te laisser un message. Russe, pourquoi tu pars? Je suis toujours par terre, avec Barry. On a une jambe brisée chacun. L'emblème d'un loup est gravé à l'intérieur de ce truc. Voulez-vous mettre l'emblème de l'aigle? Allez, allez, hop, je mets ça. C'est votre moment, Chris. Illuminez-nous de votre brillance. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Allez, hop. Voilà, bravo. Vous avez réussi à ne rien déverrouiller du tout. Faut peut-être mettre le truc, hein, Chris. C'est vous êtes bon. Un peu con, hein, Chris. Ça ne s'ouvre qu'en cas d'urgence. Est-ce que c'est une urgence? Demande à ta mère. Eh ben on va voir. Vieille machine à créer, vous pouvez pas sauvegarder parce que j'ai pris vos rubans encreurs. Oh le salaud. Putain, si je le rattrape, le salopard. Bonjour, colonel Coffre, au rapport. Ah, vous avez retrouvé les rubans encreurs, bravo Chris. Eh ben, comme vous avez été gentil, je vais vous donner... une gourde. Le coffre, ça fout de ma gueule, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans le labo? Vous n'avez rien fait ici, sortez s'il vous plaît, monsieur. Les visites, c'est le mardi. Non, c'est aussi aujourd'hui. Attendez. Je vais vous faire la visite, monsieur. Hein, venez, s'il vous plaît. Hein. Alors, j'ai pas besoin de vous. Alors, à droite, c'est la visioconférence. C'est ici qu'on mate les diapos. Hein. Voilà, les petites diapositives. Voilà. Mais en ce moment, la machine, elle déconne. On essaie de la réparer, puis j'ai un peu de mal. Vous voyez, hein, je me suis coupé non, mais c'est bon, c'est bon. Un non. peu les bras. Non, mais... Aïe, 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 monsieur, revenez. Aïe. Je vous ai dit que c'était bon. Hein. Merde. Voulez-vous cramer les zombies? Voyez. Bravo! Vous avez cramé deux zombies en même temps. Voulez-vous prendre encore un disque mo? Vous en avez deux dans votre inventaire. Bravo! Vous faites la collection. Pour 4 disques mo, vous gagnez un kebab offert chez Wallahala Kebab. Wallahala César! T'en perds la tête, hein? J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette! Ah, bonne nuit! Prends tes médocs. Ouais, attends, je les prends. Ah, c'est verrouillé. Un symbole ressemblant à une zone. Il reste un morceau de cadavre sur la table, si vous voulez le finir. Attention, c'est un danger biologique de manger. Voulez-vous répandre de nouveau corona en le mangeant? Voulez-vous prendre une des gonzesses entreposées et congeler rien que pour vous? Elles sont, voilà, encore bien intactes, pas décomposées. Ça vous intéresse? Il y a une brune, une rousse, une aux cheveux noirs, des asiates et tout. Bon, c'est bon. Attention, faites gaffe. L'une d'elles est une zombinette qui se cache et qui vous croquera tout cru, si vous faites pas attention. Saurez-vous trouver laquelle? La vitesse à laquelle le virus agit, l'enveloppement musculaire important qui l'entraîne est particulièrement remarquable. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif. Ça devient Chris.
Quatre de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de nourrir Chris. Cela s'est terminé en un véritable bain de sang. Depuis cet incident tragique, Chris Redfield s'est échappé. Impossible de récupérer ce précieux spécimen. Nous avons finalement décidé de l'envoyer aux Stars. Voilà, pour le tester. John. Le mot de passe, c'est Ada Wong de Resident Evil 2. Bonjour, c'est Ada Wong de Resident Evil 2. Entendu. De votre côté. Un mélange de deux herbes vertes se trouve à l'intérieur. Oui, vous avez mangé l'herbe. Vous êtes une vache, Chris. Oh, ma chère Ada, lorsque tu poseras ses yeux sur cette lettre, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu le résultat que je ferais n'importe quoi pour devenir comme eux. J'en ai perdu la tête, moi aussi. Tu es la dernière survivante. Je le sais, vu que tu seras dans Resident Evil 2. Voilà. Mais dans le remake, tu parles plus de moi. Hein, dans l'original, tu viens pour penser à moi, mais dans le remake, tu vas galocher Léon, hein. Hein, espèce de sale petite pute, hein. Toi, hein, quand tu penses que j'ai mis ton prénom en mot de passe de mon ordinateur, hein. Hein, je vais m'arracher les cheveux si ça continue comme ça, hein. Hein, je suis jaloux, et après, je vais m'inoculer le virus. Je vais transformer tout le monde en ce putain de laboratoire de merde, hein. Hein, et puis, je vais me casser, je vais aller à Hawaï, hein, prendre des vacances. Hein, bah, espèce, je prends la chaise avec, et salut. Barre-toi, Ada, John. Il faut déverrouiller ces leviers pour accéder à une zone, un truc. Il vous faut des disques mots. Des disques. Voilà. Qu'il faudra placer dans les GameCube pour activer le truc. Ah, j'en ai déjà deux. Il vous en manque une dernière. Eh ben, je vais la chercher. Oh, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Les missions de Magnum ont été laissées dans le lavabo. Ah, putain. Ah, nom nom nom. Ah, le chewing-gum, là. Ah, oh. Hé, hey. Hey, t'as pris mes munitions, je les avais laissées dans le lavabo pour pas les oublier. Je voulais les laver en plus. Oh, il fait chier. Oh, tais-toi, le zombie. Oh, ma GameCube. Non. Va pas mettre le disque au monde dans ma GameCube, s'il te plaît. Piétine pas. Oh, non. Putain, cul de cheater. Bip. Eh bien... En transmettant le code, vous avez emmerdé l'autre zombie. Fax. Au service sanitaire. Au comité d'alerte de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Alors pourquoi vous la lisez? Dégagez tout de suite, hein. C'est pas à vous, ça. Bienvenue dans la salle des diapositives. C'est ça, la salle des diapositives. Ouais, et il y a un disque mot. C'est le dernier, bravo. Maintenant, faut trouver les deux autres GameCube. Chris, t'es où, là? C'est Wesker. Putain, je suis en train de traîner ma jambe. Espèce de petit con. Oh, tu réponds pas, hein. J'ai pas envie de répondre aux enfants. T'as trahi ton équipe. J'ai pas trahi mon équipe, c'est... Je sais que t'as tué Enrico. Ah, vous l'entendez, c'est lui qui a tué Enrico. Je suis sûr que ça doit être Barry. Et qui m'a déjà dit, j'aime pas sa musique, il me fait chier avec sa guitare, l'autre con. C'est peut-être Keith Irving, le directeur de cette salle, le coupable. Ou alors c'est Edward Smithy, hein. Ou c'est S. Ross, ou c'est Albert Wesker, peut-être. Je ne sais pas, hein. On se demande qui est ce A. Wesker, hein. Non, c'est mon cousin, c'est Alrich Wesker. Allez, c'est parti, je continue ma quête. Allez, je vais chercher... La cassette est en place, la regardez. Soirée diapo chez mamie. Andre la bioorganic weapon official report. Voilà, ça c'est les Cerbères, vous les avez affrontés, vous vous rappelez? Ça c'est les gros requins, on s'en rappelle aussi, hein. Ah, que de souvenirs. Ah, ça c'est quand les Hunters, ils vous ont dit bonjour aussi. Et puis ça c'est le Tyran, vous l'avez pas encore rencontré. Ah, et là c'est l'équipe de recherche, tiens. Oh, il y a dit... Michel. Ah, on se demande qui c'est que c'est à droite. Et ça, c'est le code barre de 47. Vous voulez utiliser le filtre à diapo? Vraiment, vous avez utilisé le filtre à diapo. Alors ça, c'est... vous avez l'impression de déjà vu. Bon, faites pas attention à moi. Voilà, 8, 4, 6, 2. Retenez. Ça, c'est important. Un écran permet de projeter des films. Vous savez à quoi ça sert, Chris, hein? Oui, bien sûr que je sais à quoi ça sert. Mais par contre, Barry ne sait pas à quoi ça sert. C'est facile de parler sur Barry maintenant qu'il s'est brisé le cou en tombant des trucs. Tant mieux, je l'appréciais pas. Il a pas voulu faire de Uno avec moi. En même temps, qui voudrait faire du Uno avec vous, Chris? Ah, c'est pour ça que ça s'appelle du Uno, pour vous le fassiez tout seul. Et vous fassiez pas chier. Ding 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 ding. Oh, vous avez réussi. De l'équipement Medeo, vous pouvez l'utiliser pour voir la cassette de Kenneth.
Le Black qui est mort de l'équipe en premier. Ah, ah putain! Ah mon dieu! Un zombie! Ah meurt! Pan, pan, pan! Ah! Ah! Oh non, le zombie! Et personne ne le fait! Ouais, je suis le zombie! Elle porte un symbole d'électricité, vous pouvez la mettre sur tension. Et vous électrocutez avec. Attention, vous avez un gros magnum, mais pas aussi gros que celui de Barry. Oh putain, mais arrêtez de me saouler avec Barry. Vous êtes le premier à en parler. Ah, je l'ai chopé. Qu'est-ce que... Saloperie. Vous avez rencontré une chimère. Elle n'était pas dans la diapositive. Voulez-vous marcher sur les restes de la chimère qui s'est décomposée? Non. C'est bon. Voulez-vous dormir sur ce lit ensanglanté? Voilà. Et deux. Voulez-vous utiliser des trucs pour disséquer la chimère sur le lit? Il y a un sac de mort que vous cachez à l'intérieur pour faire une vanne à vos potes? Vos collègues? Allez, pas... Voilà, dormir un peu? Vous êtes fatigué. Vous voulez jouer à la GameCube? Vous voulez jouer à Mario Party? Ah non, à Mario Kart comme la dernière fois? Je suis pas un fan de Mario Kart. Puis bon, moi je préfère la Sega Mega Drive. En transmettant le code de la valise RTL, Sonic, vous avez gagné 1500 francs. On est en 98, rappelez-vous. L'ascenseur ne fonctionne pas. Même l'interrupteur à côté ne marche pas. Et l'ascenseur ne fonctionne pas. Voulez-vous presser l'interrupteur? L'alimentation sera coupée. L'ascenseur ne fonctionne pas. Voulez-vous rétablir l'alimentation? Vous me faites penser aux personnages dans les jeux qui n'ont qu'une seule réplique. Je suis en plein saut, merde! Il m'a eu, je suis au con! Aïe! L'enfoiré! Tiens, prends ça, prends ça! Coucou! C'est moi! Eh bah, que c'est Donald! Bah, moi, c'était dingue! Allez! Et deux! Ah, je suis trop fort, putain! Tiens! Vous avez trouvé la dernière GameCube! Bravo! Voulez-vous laisser une chimère y jouer? Non, c'est moi qui vais y jouer! Bravo. Vous avez inséré le disque, vous avez verrouillé cette mystérieuse porte qu'on verra la prochaine fois quand Steve nous rejoindra au doublage. Hé, j'ai beaucoup de balles. Ouais. Et moi je veux jouer à la GameCube. Non, tu joues pas. Et moi je veux savoir ce qu'il y a derrière la porte. Ouais, ils sont chiants aujourd'hui. Et moi je veux sucer la bite à Steve. Je voulais toucher ses cheveux. Il y a un message d'avertissement. Le carburant chimique explose au moindre coup dedans. Aïe. Toi, je t'ai pas laissé le temps de dire ce que tu voulais faire, mais de toute façon, je m'en fous. Voilà.